At least I did in my way. Lie way too faced but in my heart I understand I made my move and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Bonjour à toutes et à tous. Le staff du Pôle Espoir, composé de Sébastien Jaffré adjoint et responsable des gardiens de but, Alexandre Noisel, adjoint également et responsable socio-éducatif, et moi-même allons vous présenter le fonctionnement du Pôle Espoir de Ploufragan. Le Pôle Espoir est une structure fédérale permettant à 16 jeunes bretons sélectionnés de suivre un cursus scolaire et sportif durant deux ans. Il existe en France 15 Pôles Espoir de football, dont le plus connu est l'INF Clairefontaine. Dans cette présentation, nous aborderons la scolarité, la vie au centre, le médical et la formation footballistique. Nos objectifs sont d'accompagner et de favoriser la construction du triple projet de l'enfant, à savoir la scolarité, l'éducatif et le sportif, grâce à un emploi du temps scolaire adapté, à la mise en place d'un parcours citoyen afin de préparer les jeunes aux exigences des sports de haut niveau vers une autonomie comportementale, donc être capable de vivre en collectivité, et une autonomie technico-tactique, c'est de connaître les différentes organisations de jeux et principes de jeu. Les enfants sont logés au Centre Technique Bretagne Henri Guérin et nous utilisons quotidiennement des infrastructures de très haut niveau, à savoir une plaine de jeu, un terrain hybride, un dôme et un terrain synthétique. Concernant les moyens humains, une vingtaine de personnes accompagnent les jeunes dans leur parcours. Cinq pour le pôle médical, cinq pour la vie de l'internat et huit pour le pôle sportif. Outre le staff, cinq stagiaires staps sont présents sur les séances chaque semaine. Alexandre va vous présenter la scolarité. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Alexandre Noisel, adjoint et référent socio-éducatif au sein du pôle Espoir. Concernant la scolarité, le collège se situe à 150 mètres de l'internat. Les joueurs y accèdent à pied. La directrice, Madame Tovagliari, que vous pouvez apercevoir en photo, communique régulièrement avec nous sur le comportement que peuvent avoir les joueurs du pôle Espoir au sein de l'établissement. Et nous avons également un lien étroit avec la vie scolaire. Au sein de l'établissement, les garçons du pôle Espoir sont considérés comme des élèves normaux, c'est-à-dire qu'ils participent à tous les cours. Et sont répartis dans deux classes différentes. Huit joueurs dans une classe et les huit autres dans une autre. L'EPS est globalisé pour les joueurs du pôle espoir, sachant qu'ils ont cinq séances d'entraînement par semaine au sein du pôle. Une génération pratique l'EPS sur un semestre de septembre à janvier et l'autre génération prend le relais de février à juin. Cela se déroule le mardi matin de 8h30 à 10h. Puis de mars à juin, lorsque les beaux jours arrivent, nous mettons en place l'EPS. Globalisé avec les professeurs de PS. Cinq mercredis après-midi, les 32 joueurs du pôle espoir pratiquent des activités diversifiées, telles que le paddle, le run and bike, dans un processus de découverte. Au pôle espoir, nous avons accès à Pronote. Étant référent du suivi scolaire, j'y accède chaque jour pour vérifier les devoirs des garçons, mais aussi l'évolution de leurs notes. A partir de là, je mets en fonction du besoin de l'élève un suivi et un accompagnement personnalisé. Désormais, je vais vous présenter la semaine type. Le lundi, les garçons commencent à 8h au collège. À 10h, la première promo sort de l'établissement pour une séance de 10h30 jusqu'à midi. À la suite de cette séance, ils retournent à l'établissement pour un repas. Ils quitteront l'établissement à 17h pour une heure d'étude de 17h30 à 18h30. L'autre promo quittera l'établissement à 16h pour une séance d'entraînement de 16h30 à 18h. Le mardi, on alterne. La promo qui avait séance l'après-midi le lundi se retrouve avec une séance le mardi de 10h30 à midi. Il retourne ensuite à l'établissement pour un repas. L'autre promo aura séance de 16h30 à 18h. Le mercredi, les joueurs du Pôle Espoir quittent l'établissement à 13h après avoir mangé au sein de l'établissement. 13h30, 14h30, études à l'internat. Et ensuite, une séance de 15h jusqu'à 16h30. La séance peut être commune ou pas. Et ensuite, ils ont accès aux soins avec le kiné, le médecin, la podologue, mais aussi la psychologue qui sont présents le mercredi après-midi. Je vais vous parler de la vie au centre, la vie de, de votre enfant en, en, en interne. Euh, il est accompagné par toute une équipe. Vous aurez Alex qui sera le référent socio-éducatif il y aura trois surveillants au quotidien avec eux et un veilleur de nuit pour, pour les encadrer dans, dans la vie hors foot et hors, hors école. Euh, L'équipe éducative et le staff vous communiquera chaque fin de semaine un bilan qui sera composé de plusieurs tableaux. Le premier est, est un tableau qui vous décrit la semaine avec les thèmes travaillés, un thème technique, tactique, s'il y a eu des actions particulières sur un projet citoyen que je vous développerai juste après. Il y a un deuxième tableau qui est le tableau des suivis des études, qui recense la ponctualité, l'investissement et l'attitude de votre enfant pendant l'étude. Et enfin, un tableau d'autonomie comportementale. Ce tableau fonctionne de vacances à vacances. L'objectif, c'est que les enfants n'aient pas un carton rouge. Une remarque égale une croix. Deux remarques égale un carton jaune et trois remarques égale un carton rouge. Donc l'objectif, c'est qu'ils soient capables de, de s'autoréguler de vacances à vacances. Ils ont bien entendu à cet âge-là le droit à l'erreur, mais l'objectif, c'est de ne pas dépasser les limites du cadre défini en début de saison avec eux. Je vous ai parlé d'un projet citoyen. Le projet citoyen est mis en place ici par, euh, par le pôle. Il est situé de quatre axes. Le premier, le bien-être au quotidien, la gestion euh, de la vie au centre. Le deuxième sera l'ouverture au monde, comment on fait pour ouvrir les enfants au monde extérieur. Le troisième axe sera axé sur la communication en interne et en externe. Et enfin, comment nous faisons, nous, ici, au pôle Espoir de Poufragant, pour préparer vos enfants à la sortie des deux ans, à la sortie du pôle si je vous prends quelques exemples du bien-être et de l'autonomie on a des sorties hors-pôle qui peuvent être le cinéma le bowling comme ici en photo le théâtre chaque anniversaire est bien entendu fêté par un gâteau du choix de l'enfant avec partagé avec l'ensemble de ses copains nous avons également des sorties dans les clubs pro aux alentours pour aller voir des, des matchs de niveau professionnel le deuxième axe de l'ouverture au monde, comment on fait pour les ouvrir au monde Dans un premier temps, chaque semaine, il y a deux enfants d'une de, génération qui présentent à leurs copains un fait d'actualité de leur choix. L'exposé voilà, dure 2-3 minutes et ça permet d'apprendre à s'exprimer devant tout le monde et de, de défendre ses opinions et d'exprimer son ressenti sur un, un fait d'actualité. Ensuite, on a des jeux de plateau qui sont animés par les surveillants le soir. Ici, c'est un jeu de plateau sur le danger des réseaux sociaux. On a également l'ouverture sur le handicap, les sensibilisés au handicap. Ici, nous avions eu l'intervention de Jérémy Sofisso, qui est gardien de but de l'équipe Ceci Foot, qui nous a fait découvrir ce sport avec le handicap visuel. Et enfin, un petit carnet écologie où on, on a plusieurs actions. Ici, c'est la récolte de la sève de boulot sur le site de Ploufragant, qui est la vitamine du staff du Pôle Espoir. Communication en interne et en externe. Nous avons mis en place depuis maintenant trois ans euh, les parrains-filleuls afin de faciliter la communication entre les premières années et les deuxièmes années. Le parrain a pour charge d'aider son filleul au niveau scolaire, au niveau de l'internat et au niveau du football pour faciliter son intégration et mener à bien son triple projet. La préparation à la sortie du pôle, comment nous préparons vos enfants à la sortie du pôle Dans un premier temps, vous aurez trois bilans avec le staff, votre enfant et vous, pour donner des axes de progression à votre enfant sur le football, sur l'école et aussi sur la vie en communauté. Par, par ailleurs, nous faisons intervenir des anciens pensionnaires. Nous avons pu avoir Romain Danzé, qui a réussi une grande carrière au niveau du foot. Nous avons Giorgino Rutter, qui a également réussi dans le football. Nous avons eu Thomas Corneck, qui, lui, n'a pas continué dans le football de haut niveau, mais qui, aujourd'hui, est devenu podologue et qui a pu appuyer aux enfants l'importance des études durant euh, sa formation au Pôle Espoir. Je continue en vous présentant la, le pôle médical qui est dirigé par Jean-Marc Lucas depuis maintenant plus de 20 ans ici au pôle Espoir. Jean-Marc est médecin spécialiste du sport. Il est présent le lundi et le mercredi. Il est accompagné de son collègue Jean-Fille qui est lui présent tous les jours au pôle Espoir et à disposition des 32 enfants. Il peut être présent sur les séances d'entraînement et à chaque fin de séance afin de prendre soin des enfants. Il y a un lien étroit qui est établi entre les éducateurs, le staff médical et également les éducateurs. En, euh, chaque fin de semaine, un bilan est fait aux éducateurs pour savoir si votre enfant peut jouer ou s'il a une autorisation d'un temps de jeu ou alors s'il doit être à l'arrêt, afin qu'il n'y ait pas de, de mauvaise position prise par les clubs et qu'il n'y ait pas de malentendu entre euh, le staff médical, le pôle et le club. Vous avez une petite photo en dessous d'un suivi médical informatisé. Chaque enfant qui passe voir le docteur et le kiné remplit à chaque passage les observations du docteur afin de mieux connaître son corps et de pouvoir mettre des mots sur ses blessures. L'équipe médicale se compose également de Laure Ménard, notre psychologue. Elle intervient sur les premières années sur un bilan individuel obligatoire en début de saison. Et ensuite, chaque enfant peut par texto la contacter pour prendre rendez-vous, discuter, parler de, de stress, parler de, de mal-être ou parler de choses qui peuvent les, les déranger dans la vie interne ou à la maison. Ça permet de se confier. Ils sont libres de prendre rendez-vous. Et nous, on peut également guider si on sent une petite baisse de morale ou, ou un, un petit quelque chose. Elle intervient également en groupe sur des travaux de relaxation, de préparation mentale et de gestion du stress. Pour compléter l'équipe médicale, voici nos deux podologues, Babette et Tiffaine. En début de saison, elles vont effectuer un bilan avec vos enfants afin de déterminer s'ils auront besoin ou non de semelles pour les accompagner dans leur période de croissance. Elles reviendront au cours de l'année pour les sensibiliser aux conduites à tenir pour l'entretien des pieds. Et enfin, deux fois par an, elles seront présentes pour leur faire le soin des pieds, la corne, apprendre à couper les ongles, etc. etc. Sur le volet footballistique, les directives fédérales concernant les fondamentaux à transmettre aux joueurs sont une aisance technique, une capacité à jouer ensemble et avoir une intention de jeu. La base de la pyramide du plan de performance fédéral est l'état d'esprit, le savoir-être indispensable, primordial dans un sport collectif. L'intelligence de jeu, c'est-à-dire la capacité à jouer juste, les aptitudes techniques, travailler quotidiennement, et pour finir, le développement athlétique. Concernant les phases de jeu, conserver, progresser quand on a le ballon, déséquilibrer l'adversaire et finir. Et quand on n'a pas le ballon, s'opposer à l'adversaire, protéger et récupérer le ballon. Nous avons élaboré une planification annuelle propre au pôle espoir de Ploufragan. Nous travaillons les phases de jeu vues précédemment, qu'elles soient offensives ou défensives à partir de principes de jeu chaque principe est développé deux fois la première semaine et une fois la suivante et inversement concernant la technique nous avons élaboré sept thèmes le geste la passe le contrôle le dribble le jeu de tête la protection et le jeu de volée en lien avec les principes développés nous les travaillons de façon analytique adaptative ou sous forme jouée L'apprentissage tactique s'effectue en découvrant différents systèmes de jeu et leurs animations. Concernant le développement athlétique, il se situe autour de deux axes principaux: le développement de la filière aérobie et la prophylaxie, c'est-à-dire des circuits de proprioception, d'appui, de coordination et de gainage. Nous individualisons le suivi technique, tactique, physique et mental avec différents supports tels que les fiches, les vidéos, les tests, les GPS afin de donner des repères aux joueurs et qu'il soit acteur de sa formation. Alexandre va vous présenter quelques exemples. Au sein du pôle espoir, est mis en place la RPE et le suivi GPS. La RPE se fait à l'aide d'une application MyCoach Pro que possède chaque joueur dans son téléphone. Chaque matin, le joueur remplit son ressenti personnel avec son état de fatigue, sa qualité du sommeil, son stress et son humeur. Puis après la séance, le joueur donne son ressenti sur l'intensité de la séance sa satisfaction personnelle et le plaisir qu'il a pu avoir sur cette séance. Une base essentielle pour nous, le staff. Puis les GPS qui sont mis sur chaque séance et chaque match. Chaque jeune a un GPS attitré. Cela permet d'avoir un suivi pointilleux sur son évolution athlétique lors des deux années au pôle. C'est-à-dire qu'on va se baser sur différents critères, tels que son activité sur le terrain mais aussi sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Puis pour nous, cela permet de quantifier la charge d'entraînement. Comme j'ai pu vous l'évoquer juste avant, my coach pro nous permet d'avoir un suivi sur la charge interne de travail, mais aussi un suivi sur les différents procédés travaillés tels que exercices, jeux ou situations. Grâce à cette application, nous pouvons intégrer quotidiennement des données. Aussi, chaque joueur et sa famille ont accès à Edel une plateforme où là est déposé les vidéos des rapports statistiques individuels et aussi les matchs complets réalisés avec le Pôle Espoir. Voici une semaine type au Pôle Espoir. Le lundi est consacré au travail individuel. Le mardi, le jeudi et le vendredi est consacré aux séances sur le principe de jeu choisi. Les séances du mercredi où nous pouvons réunir les deux générations est consacré au travail tactique et à la sensibilisation à la tactique du 11 contre 11. On vous a proposé ici quelques exemples d'une séance d'entraînement. Une séance d'entraînement au pôle Espoir commence toujours par un protocole. Un travail de prévention, de mobilisation articulière, de proprioception. Ce protocole est installé par les enfants eux-mêmes avant chaque séance. Pendant ce protocole, ils travaillent leur maîtrise technique individuelle par de la jonglerie, un travail de passe au mur ou sur des planches, qualité de la première touche, et en fin de protocole, ils peuvent se mettre par deux et ainsi travailler leur contrôle passe. Lors d'une séance d'entraînement, nous avons régulièrement, deux fois par semaine, avec l'appui des stagiaires STAPS, un travail d'appui et de coordination. Nous pouvons effectuer ces ateliers avec ou sans ballon. L'objectif est de coordonner l'ensemble du corps dans une période délicate de croissance. Les blessés sont également utilisés sur les séances. Ici, ils sont en source. Bien entendu, que les stagiaires adaptent les ateliers au niveau des gardiens. Lors des séances d'entraînement, mettons en place également des situations, des situations de jeu tirées du match. Une des formes jouées. Objectif conserver le ballon, progresser et avoir une réaction à la perte. Travail de transition ici, appui remise troisième. Lors des séances, nous utilisons également les corveurs, les passes suivies, afin de travailler la technique en mouvement sensibiliser les enfants aux courses, à donner le ballon dans le bon temps, dans le bon espace. Pas présenté ici sous forme de vidéo, mais bien entendu, nous avons ici très régulièrement du jeu dans nos séries. Bonjour à toutes et à tous, donc Théo Bernard, analyste vidéo pour l'espoir de, de Ploufragan. Donc euh, la vidéo nous sert quotidiennement au pôle, que ce soit sur les séances d'entraînement ou lors des matchs. Et euh, nous, réalis nous réalisons des séances vidéo collectives ou des retours vidéo individuels avec les joueurs ou les joueuses. Donc au niveau de, de l'entraînement, quasiment euh, chaque séance est filmée. Et ensuite, euh, en fonction des principes de jeu qui sont travaillés, on peut réaliser euh, ce type de vidéo. Pour illustrer, mettre en lumière des principes de jeu liés au projet de jeu du pôle espoir. Donc, ensuite, on essaye de lier ce qu'on a travaillé à l'entraînement avec le match pour contextualiser au maximum l'entraînement. Donc, là, pour leur montrer que ce qu'on travaille, on peut le retrouver en match, on doit le retrouver en match. Et on leur montre également l'exemple du très haut niveau pour impacter encore davantage l'acquisition du principe. Les enfants reçoivent également des vidéos individuelles après les séances, ce qui permet d'avoir un correctif vidéo en plus du correctif apporté sur le terrain par les coachs, et ce qui va permettre à l'enfant de se visualiser et d'analyser ses attitudes, son placement, et donc euh, d'analyser sa performance. Lors des matchs, nous utilisons la vidéo dès la causerie de façon à rappeler les principes travaillés euh, durant la semaine et de rappeler les objectifs attendus du match, que ce soit d'un point de vue offensif ou d'un point de vue défensif. Le retour vidéo ensuite est effectué dès le lendemain, donc c'est un retour vidéo collectif, euh, ce qui permet d'analyser si les objectifs travaillés auparavant et évoqués lors de la causerie ont été atteints ou non. Ce retour se fait sous la forme d'un échange avec les enfants. Le staff réalise une présélection des séquences et ensuite, c'est à eux de commenter les séquences positives ou plutôt améliorées et nous les accompagnons dans l'analyse. Les enfants reçoivent également leur montage individuel après les matchs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une fiche de stats footballistique, une fiche de stats également athlétique et l'ensemble de leurs ballons joués pour effectuer ensuite des retours individuels avec les coachs. L'objectif est finalement de les amener vers une autonomie de l'analyse, qu'ils soient capables de s'autocritiquer, capables d'analyser eux-mêmes la performance collective et leur performance individuelle. Être gardien de but au, au pôle espoir, c'est aimer travailler dans la rigueur, dans l'exigence, mais aussi avec beaucoup d'écoute et beaucoup de plaisir. Le sourire est très important en spécifique. Au Pôle Espoir, c'est l'assurance d'avoir deux spécifiques gardiens par semaine et d'avoir un éducateur spécialisé sur l'ensemble des séances. Nous utilisons plusieurs formes de travail qui vont vous être présentées dans la vidéo suivante. Soit des spécifiques sous forme analytique, avec analyse vidéo également, des gestes techniques du gardien de but. Un bilan est effectué à chaque début de saison et chaque fin de saison afin d'évaluer la progression du gardien et se donner des nouveaux axes de travail. Lors du spécifique, nous allons également essayer de reproduire des actions de match avec un enchaînement d'actions, un enchaînement de tâches. Nous partons de situations de match. Et nous pouvons également utiliser des joueurs ou voir l'ensemble du groupe pour travailler à disposition du gardien. Comme vous le savez, la Bretagne est une terre de football. Chaque département dispose d'une équipe professionnelle, d'où une forte concurrence au niveau du recrutement. Pour rappel, les pôles sont au service de l'élite régionale et préparent les joueurs aux exigences du haut niveau. Nous ne souhaitons pas être en concurrence avec les centres de formation, mais en être les partenaires. Grâce au dialogue, les mentalités ont évolué. Nos relations sont saines avec les recruteurs, les directeurs de centre et les responsables de préfets. A noter que depuis deux ans, des jeunes joueurs du pôle esport de Ploufragan évoluent chaque week-end avec un club professionnel. Le but est de laisser à l'enfant et sa famille la liberté de choisir la structure qui lui semble la mieux adaptée et d'avoir au sein de notre pôle à s'entraîner ensemble les meilleurs joueurs afin de créer une émulation. Nous avons élaboré avec les conseillers techniques départementaux une grille d'observation commune sur trois domaines. L'état d'esprit, avoir un esprit compétiteur, un effort immédiat à la perte du ballon, donc c'est la réaction qu'on peut avoir lorsqu'on fait une erreur, et une capacité d'écoute être capable d'appliquer les consignes. Pour le tronc commun défensif, cadrer sur le temps de passe, détacher le regard de l'action, c'est prendre des informations sur ses partenaires et ses adversaires pendant l'action. Et évidemment, pour les défenseurs, c'est gagner des duels, montrer du caractère dans le un contre un. Pour le tronc commun offensif, la pertinence de la première touche de balle, c'est-à-dire le contrôle, avoir une intention de jeu et exécuter des passes en fonction de la demande du partenaire. Dans quelques jours, vous allez participer au concours départemental de votre district, au centre Bretagne Technique Henri Grain. 12 joueurs par district seront sélectionnés pour le concours régional qui se déroulera mi-mars. 24 joueurs participeront au stage final. À l'issue de celui-ci, nous constituerons la future promotion du Pôle Espoir. Au nom du staff, je vous remercie pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne détection, donnez le meilleur de vous-même en prenant du plaisir. A très bientôt.